Bonjour. Fait la vaisselle encore? Oui, c'est difficile à assurer que les vêtements sont dépourvus de la boue quand les enfants passent tout leur temps jouer dans ça. D'accord. Chaque fois qu'il semble que la tâche est finie, il y a un autre. C'est la vie d'une pauvre, non? C'est la vie d'une femme qui aimait ses enfants. Cette tâche, c'est difficile. Attendez. Oh, je vous aide. Merci. Je fais encore l'accouchement de cette journée. Et chaque jour, je dois voir lui et ses enfants, la famille. Ils jouaient et ils riaient et travaillaient comme si rien ne s'était passé. À tel point qu'on croyait qu'il était plus que seulement ça, enfant, il était notre, il était le nôtre. Nous avons protégé de vie et de famille. Il était dans notre maison, tout autant qu'il était dans la sienne. Je me demandais souvent ce qui est arrivé à ce petit garçon, notre petit garçon. Comment il a fait et le sentiment, et il est heureux, comment il le traite à la nouvelle maison. Je sais qu'il entendait bien. Je sais qu'ils voulaient simplement lui donner une bonne vie. Nous voyons la même chose, mais nous allons travailler pour le nôtre. Nous ne vendrons pas notre enfant, notre charmant enfant, à la fable dorée de vie de cet élan. Je ne peux pas dire mes pensées à mon ami. J'ai peur que je ne peux pas dire beaucoup à mon ami. Elle fait semblant que rien n'a changé pas entre nous. Mais je sais ce dont elle pense vraiment. Depuis le jour quand j'ai donné mon enfant à la femme qui lui a promis une vie mieux, elle ne peut pas me regarder la même. Elle pense que je ne l'aime pas, mon bébé. Elle pense que j'ai vendu mon enfant comme un sac de pommes de terre au marché. Elle pense que je fais ça avec les os. Mais elle ne peut pas imaginer ce que je ressens. Elle ne sait pas que c'était la décision plus difficile de mon vie entière. Que j'ai donné mon fils à une autre qui peut lui a promis une vie mieux, qui lui a promis toute la nourriture et la chaleur que je n'ai pas pour lui donner. Elle ne sait pas que chaque fois que je regarde mes autres enfants, j'imagine le visage de leur frère, mon bébé, mon petit cadet. Est-ce qu'il est sûr? Est-ce qu'il est heureux? Mais alors, qu'est-ce qu'on en a fait? Il est parti de ma vie, mais il a pris une tranche de ma cœur avec lui. Voilà. Merci.